Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente une guitare de la marque Chapman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Chapman c'est la marque de guitare faite par Rob Chapman qui s'est fait connaître essentiellement au début grâce à YouTube et notamment à ses vidéos de test matériel avec la chaîne Anderton Stevie. Et donc cette chaîne c'est la chaîne d'un magasin qui se trouve au Royaume-Uni et donc il a commencé à être distribué par ce magasin-là avant d'être distribué par d'autres plus grands magasins comme Thomann. Donc la marque a été créée en 2009 et elle compte essentiellement actuellement deux grandes gammes. Vous avez la gamme standard qui est faite dans des usines en Indonésie et qui donc fait partie des entrées de gamme. Et vous avez les séries pro qui vont être plutôt les milieux, voire les hauts de gamme et qui sont faits en Corée. Et plus récemment, vous avez vraiment les très hauts de gamme à plus de 3000 euros hein, qui sont faits au Royaume-Uni. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Car effectivement, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la ML1 Pro hybride, donc modèle coréen de 2021, avec pour les spécifications, on va commencer par le corps qui est en basswood, donc c'est du tilleul, avec un venir en peuplier figuré, donc c'est du poplar burl, avec une finition turquoise rain, donc c'est vraiment du burst sur les côtés qui va être noir, vert et puis naturel au centre. Et l'arrière du corps, donc il est noir et le tout est recouvert d'un vernis brillant. Côté manche, on va avoir un profil en C, assez rond, du type, je trouve, assez Fender. Donc 19,5 à la première case en millimètres et 21,8 à la deuxième case. On va avoir un diapason de type Fender, donc 25,5, avec 22 frettes jumbo en acier inoxydable, donc large et haute. Et sur le côté, on va avoir des repères en luminlaise. Ici sur la touche, vous avez également un repère infini au milieu. Et ici sur le bord des touches, là, il n'y a pas de repère. C'est moi qui les ai rajoutés avec des stickers. Je préfère parce que comme ça, je me repère plus vite. Le manche est en érable torréfié. Donc pour la touche et le manche, d'une pièce. Donc c'est une pièce découpée. C'est du flat zone, hein, c'est de la découpe sur dos. Souvent, quand vous avez un bois torréfié, vous allez avoir ce type de découpe plutôt qu'un quarter zone qui coûte plus cher. Le scie était en 42 mm et c'est un Graftec, donc c'est une bonne matière qui permet de faire bien coulisser les cordes. Et le radius de la touche, il est assez plat, c'est un 13,75, donc 14 pouces à peu près. Par-dessus ça, on va avoir des string retainers en T. Ici, je les ai changés pour des modèles roulants pour avoir encore moins de friction. Et enfin, on va avoir la partie mécanique qui va être des hip shots bloquantes avec mécanique à ouverture, qui sont vraiment très jolis. Pour continuer côté hardware, on va avoir un trémolo non bloquant. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on peut le pousser et aussi le tirer, un peu comme un Floyd Rose. Et celui-ci, il a la particularité d'avoir des roulements au niveau des pontées, ce qui permet à la corde de bien coulisser quand vous vous en servez. Côté électronique, ils ne sont pas fichus de nous. On va avoir des Seymour Duncan. Ici, on va avoir un Pearly Gates en humbucker. Et en simple, on va avoir des strats qui sont stackés. Donc c'est des stacks strat plus. Donc ici, le principe de ces simples bobinages, c'est qu'ils sont stackés, donc vous avez une bobine par-dessous l'autre, et ça permet d'enlever les bruits parasites, tout en conservant un son relativement single coil. Donc cette électronique, elle est pilotée par un volume général et une tonalité générale, et un sélecteur 5 positions. Donc on va être classiquement dans le humbucker splitté plus le milieu, les deux, puis le bridge. Sur le dos de l'instrument, on va avoir des bonnes découpes pour le ventre, et ici pour l'accès aux aigus, et enfin, on va avoir un talon qui est bien profilé pour pouvoir garder un bon accès aux aigus. Le poids de l'instrument est assez classique, vous avez 3,7 kg d'après la fiche spécification technique et la guitare est fournie sans housse ni étui. Pour ma part, c'est un modèle d'occasion donc je ne les avais pas non plus quand je les commandais. Question tarif, c'est une guitare qu'on trouvait dans les 1100-1200 euros. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elle a été remplacée par la ML1 Pro X, qui est un modèle différent. Donc vous n'avez plus tout ce qui est table figurée, vous avez une peinture métallisée, et en fait, suivant le modèle que vous achetez, c'est un modèle soit qui change de couleur, ou soit un modèle uni. Et l'avantage, c'est que les modèles actuels, vu que les spécifications sont un peu plus simples sur les finitions, ben, le prix a un peu baissé. Donc on va se situer en dessous des 1000 euros.
pour l'avis sur l'instrument, je vais commencer par le côté design et fabrication. Ici, on va avoir droit à un look qui fait assez classe et assez haut de gamme. Je trouve que la table un peu pliée est plutôt bien réussie, même si ça reste à venir. On garde un peu l'effet 3D. Et surtout, le burst est vraiment très bien fait, et agrémenté d'un petit binding sur le corps, c'est assez classe. Côté manche, avec le rable torréfié, je trouve aussi que ça donne vraiment une dimension plus sympa. Honnêtement, dans l'ensemble, côté fabrication, je n'ai pas relevé de défaut majeur, pas de peinture qui coule, rien qui dépasse. Dans l'ensemble, ça me rappelle beaucoup ce qui est fait chez LTD, et pour le coup, c'est un peu normal, parce que c'est un instrument qui sort de chez World Musical Instruments, qui est l'usine en Corée, hein, qui fabrique notamment Schecter, LTD, Abassi Concept, etc., etc. Au niveau ergonomique, on va avoir une forme que je trouve qui est très éprouvée. Donc du coup, on va avoir quelque chose d'assez fiable et assez confortable. Vous avez sur le corps une belle découpe qui vous permet de poser l'avant-bras sans souci. Les bords de l'instrument sont plutôt bien biseautés. Et enfin, côté manche, on va avoir une sensation de jeu qui n'est pas sans rappeler vraiment les Stratocaster. Hein. Ici, vous avez un manche bien rond que vous pouvez bien prendre en main. Et ça ne gêne pas non plus pour les phrases plus rapides dans les aigus. D'ailleurs, les aigus, on peut y accéder très facilement, hein. La jonction corps-manche est plutôt bien faite, et elle arrive à peu près au niveau de la 17e case, ce qui permet d'avoir un accès quand même assez relativement facile pour les aigus. Rien ne vient vous empêcher de mettre votre doigt sur la 22e case. Autre chose que je trouve vraiment très agréable sur le manche, c'est qu'on va avoir le bord de touche qui est légèrement biseauté ici, et également des frettes qui sont très bien arrondies, vraiment très bien posées, et acier inoxydable, c'est vraiment de la très bonne qualité. Au niveau de l'action des cordes, j'ai pu régler le mi aigu hein, en 12e case à entre 1 et 1,2 mm. C'est ce que j'arrive à régler en général sur les modèles coréens, avant que ça ne commence à friser, et c'est vraiment parfait là. Je dirais que si je devais critiquer, le seul truc que j'ai à redire, c'est que j'ai dû ajouter des repères moi-même, parce que les repères sur le côté suffisent pas. Souvent quand je joue dans la pénombre, après c'est pas éclairé, et du coup quand vous avez un manche tout blanc, là c'est plus difficile de se repérer. Pour la main droite, on va dégager tous les contrôles de la main droite, donc rien qui vient vous gêner si vous jouez. Ce qui me gêne un peu plus moi, c'est plutôt l'angle d'attaque du sélecteur, qui normalement, il devrait être plus dans la course de votre avant-bras. Là, c'est pas le cas. Et honnêtement, il est de médiocre qualité. Je m'en sers vraiment que pour les positions extrêmes. La tenue d'accord, c'était un point qui me faisait peur, et bonne nouvelle, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'entre le scie et GraphTech et les roulements que vous avez ici, vous avez vraiment assez peu de friction et je trouve que les cordes reviennent bien en place. Donc en général, ce genre de vibrato non bloquant, ça me fait assez peur, hein, puisque quand on s'en sert, ça désaccorde un petit peu les cordes. Ici, pour le coup, on va être quelque chose de très très fiable. Voilà, des mots faits. Côté son, on va avoir quelque chose de très bonne qualité, hein, de très bonne facture. Ce sont des Seymour Duncan. Ici, on va avoir un ensemble plutôt typé Strat et un peu plus. C'est-à-dire qu'on va avoir une config HSS, donc qui va élargir un petit peu les possibilités de polyvalence de la guitare. Toutefois, on reste quand même dans un Pearly Gates, qui est une imitation de PF, donc un micro au niveau de sortie moyen, mais très dynamique, donc il respecte beaucoup les nuances de jeu, mais après, du coup, il est plutôt typé old school, je dirais. C'est hard rock, rock, ouais, hard années 80, quoi. Donc si vous êtes sur des styles plus modernes, c'est pas le genre de micro qui va vous donner un voicing, comme on dit, plus tight, donc avec moins de basse, et surtout avec des niveaux de sortie plus élevés. Également, on va avoir sur les simples bobinages, un type vraiment très stratoïde, hein. Par contre avec un petit peu plus de niveau de sortie, mais qui quand même n'est pas suffisant pour pouvoir compenser la différence de volume entre un double et des simples. Surtout que ceux-ci sont placés assez bas, et j'ai pas réussi à les remonter plus, ils commencent à trembloter, donc il faudra que je regarde comment ils sont montés en dessous. Mais pour le coup, il y a vraiment un changement de volume quand vous passez du double au simple. En conclusion, c'est une très bonne guitare pour le prix, avec de très bonnes spécifications. Basiquement, c'est un instrument plutôt intelligemment fait, je trouve. On va avoir un très beau look, un confort de jeu éprouvé, une excellente tenue d'accord et une grande polyvalence avec surtout une très bonne qualité de son. Et tout ça pour le prix qui est légèrement en dessous de la concurrence. Donc vous avez les concurrents principaux qui vont être les Ibanez AZ et autres Charvel, Sandimas ou Socal. Donc ici, on a vraiment la super strat
de chez Chapman dans toute sa splendeur. Bien, merci à vous d'avoir suivi ce test. N'hésitez pas à me lâcher un petit like ou simplement donner votre avis dans les commentaires en bas. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.